الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد، donc on est avec le hadith de Jibril, mais là on va faire une pause pour aller puiser dans les méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lesquelles il enseignait l'islam. Il ne faut pas oublier que la fin du hadith de Jibril, elle est basée sur une phrase. Quand il a dit « C'est qui ce monsieur ?» Personne ne le connaît. Il leur a dit « C'est l'ange Gabriel qu'Allah a envoyé pour vous enseigner votre religion. » Donc la religion, elle s'enseigne. La religion, c'est une science. Et donc quand on dit une science, il y a l'enseignant, les enseignés et la matière à enseigner. La matière à enseigner, c'est la religion. L'enseignant, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens à enseigner, c'est la communauté, c'est les sahaba et c'est nous. Donc cette communauté doit apprendre sa religion. Comme sahaba l'ont appris du prophète alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui, on va regarder un des outils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour enseigner la religion. Et j'insiste sur ce fait-là parce que c'est le but de toute cette série. Apprenons à aller aux sources. Apprenons à aller dans le Coran, puiser dans le Coran, puiser dans la Sunna. Apprenons que ces deux sources-là, ce sont des sources authentiques, infaillibles, juste, et que l'erreur ne peut pas intervenir dans le Coran, et que l'erreur ne peut pas intervenir dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé lui-même, il a dit c'est moi qui ai fait descendre le rappel et c'est moi qui va le protéger, sa parole c'est lui qui va la protéger, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité toute une science pour tamiser et pour trier et pour pouvoir distinguer le vrai du faux, l'authentique du faible, le moyen et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la science du hadith. Apprenons à aller dans la science du hadith. Et toute autre méthode, je le dis à vive voix, toute autre méthode pour apprendre sa foi, pour apprendre son islam, ce serait une méthode comme ça. C'est une méthode dans laquelle il y a du vrai, il y a du faux. Car ce sont des méthodes qui viennent de l'homme et qui émanent de l'homme. Et l'homme, ce n'est pas le Coran. L'homme, ce n'est pas la Sunna. L'homme, il va essayer d'interpréter le Coran. Il va essayer d'interpréter la Sunna. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plein de sectes, plein d'écoles. Et chacun prétendre enseigner l'unicité à sa façon. Chacun prétendre que c'est lui qui a le bon moyen. Et je dis seulement, retournons au moyen que le prophète a fait avec les compagnons. Qu'Allah les agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné de la meilleure des façons. Et c'est cette façon que nous, on a besoin. Les récits du Coran, la parole du Coran et la parole du prophète alayhi sallam. Et comment il a enseigné, comment il a transmis, et alhamdoulilah, et comment il est dans les hadiths. Aujourd'hui, on va s'arrêter devant un hadith rapporté par Souhaïb, dans Sahih Muslim. C'est un hadith imminent. Et c'est un hadith très important. Parce que c'est un récit réel. Entre parenthèses, quand on dit les récits du prophète, prenez-les comme des récits authentiques. Ce sont des choses qui se sont produites dans la vie des hommes et à un moment dans l'histoire de l'humanité. C'est quoi ce hadith? Il y avait un roi. Et ce roi, il avait un sorcier, un magicien. Ce magicien, il a vieilli. Et en vieillissant, il a interpellé le roi. Il lui a dit, voilà où je me suis rendu dans mon âge. Alors ramène-moi un jeune garçon pour que je puisse lui enseigner ma sorcellerie, ce que je fais. Alors le roi, il lui en a trouvé un. Bien sûr, le roi, quand il va choisir parmi les garçons de la communauté, il va choisir lequel? Le meilleur surtout, j'en suis sûr et certain qu'il y avait un concours pour engager. Il y avait un concours pour choisir ce jeune. Et donc, bouche à oreille, le roi, il a ses yeux, il a ses oreilles, il y a des gens qui travaillent pour lui jusqu'à ce qu'ils ont déniché ce jeune qui était brillant. Et on dit, voilà celui qui va devenir le prochain et le futur sorcier qui va soutenir le roi dans son royaume et dans son pouvoir. Alors j'aimerais m'arrêter sur le terme roi, royaume, pouvoir, sur la sorcellerie,
et sur la jeunesse. Ce sont trois choses qui vont autour desquelles on va tourner dans ce sermon d'aujourd'hui. C'est quoi le pouvoir quand on entend parler de roi et royauté dans le Coran ? Aujourd'hui, quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi, on parle d'un système pour gouverner. En Europe, il y a des royaumes. En Afrique, il y a des royaumes. En Asie, il y a des royaumes. Il y a des rois. La Belgique, c'est un royaume, c'est un roi. La Hollande, c'est un roi. Les pays scandinaves, c'est des rois. Il y a des rois qui, comme le roi de la Suède, c'est le roi Gustave. Et ainsi de suite. Monaco, il a un prince. C'est un système pour gouverner. Ou ne pas gouverner, plus ou moins. Mais c'est un système qui existe. Ça part du père au fils et d'une famille à une... Ça reste dans la famille, la royauté. Mais la royauté dans le Coran ne veut pas dire la famille, forcément. La royauté dans le Coran veut dire le pouvoir, gouverner. Et vous pouvez contempler le Coran et vous allez voir que c'est ça ce que cela veut dire. Exemple, quand le peuple après Moussa, le peuple qui ont combattu Goliath, les enfants d'Israël, quand ils ont interpellé leur prophète après Moussa, ils lui ont dit, on choisit, nous dit à Dieu de nous envoyer un roi pour en combattre Goliath. Le roi, dans le langage actuel, c'est une dynastie, c'est une arbre généalogique. Là, ce peuple, il interpelle leur prophète, il lui dit, choisis-nous un roi, c'est-à-dire quelqu'un pour gouverner, de telle sorte qu'on va combattre avec lui, et qu'il va nous montrer, il va nous encadrer, il va nous guider au triomphe contre Goliath. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a choisi Talout comme roi. Et quand il lui dit, il ne mérite pas la royauté parmi nous, on est plus riche que lui, Allah leur a dit, ou plutôt leur prophète leur a dit, Allah l'a choisi parmi vous, car il a la force et la science des guerres et de savoir faire de la guerre. Ça, c'est la royauté. Un homme qui va gouverner une communauté dans une tâche bien précise, combattre Goliath. Et quand Daoud a tué Goliath avec lance-pierre, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit sur Daoud ? Comme quoi Allah lui a donné la sagesse et lui a donné la royauté. Et Daoud, c'était l'enfant d'un berger. Puis il est devenu prophète. Et c'est quoi cette royauté et ce pouvoir qu'Allah lui a donné, la prophétie? Et quand Allah nous dit Sulaiman a hérité de Daoud, il a hérité de lui quoi? Il a hérité de lui la prophétie et le pouvoir. Donc le pouvoir peut se transmettre. Mais le grand pouvoir, c'est le pouvoir de la prophétie et c'est Allah qui le donne. Et donc la royauté dans l'islam, en aucun cas, elle veut dire ce qu'on voit aujourd'hui, un pouvoir transmis au sein de la famille, comme maintenant on voit. Si on veut parler du monde arabe, on a un royaume au Maroc, on a un royaume en Jordanie, on a un royaume en Arabie Saoudite, on a un royaume dans la péninsule d'Arabie, les petites principautés, ce qu'on appelle les Imarats, Qatar, tout ça, c'est des familles qui gouvernent. Ou en Syrie, on a une famille qui est en train de gouverner et qui est en train d'écraser tout un peuple pour conserver. C'est ce qui nous ramène à parler du sorcier. Pourquoi le sorcier chez un roi ? C'est pour perpétrer et endurer la royauté du roi. Et ce roi, il utilise la sorcellerie pour combattre ses ennemis et pour combattre tous ceux qui vont penser se rébeller contre lui ou vouloir changer le système. Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas que mettre cette réalité que dans le cadre d'une famille. Non, c'est une réalité. Tout pouvoir, toute idéologie cherche à se perpétrer dans le temps. Si on prend l'Europe et l'Occident, c'est quoi leur tradition pour gouverner? C'est la démocratie. Vous croyez que ces gens-là, ils vont se laisser écraser pour quelqu'un qui veut menacer la démocratie? Ils sont prêts à combattre pour la démocratie parce qu'ils se sont tous adhérés à ce principe. La démocratie, c'est le meilleur moyen de gouverner et de faire l'alternance dans le pouvoir. Donc c'est une règle générale. Tout pouvoir cherche à perdurer. Donc la logique du pouvoir, la démocratie, la logique, c'est le pouvoir passe d'une personne à une autre par des élections, par comme on a vu en France. Ça, c'est la tradition chez eux. Le vote, le choix, et ainsi de suite, ils respectent ce choix. Et ce pouvoir se perpétrera ainsi, comme ça, jusqu'à ce qu'Allah décide. Et il y en a d'autres qui décident que le pouvoir va du père en fils, ou du frère en frère, comme en Arabie Saoudite, le pouvoir va de frère en frère. Les enfants du roi Abdelaziz, ce sont les frères. C'est pour ça qu'on les voit vieux dans l'âge, 80 ans, et ils gouvernent. Pourquoi? Parce qu'au niveau, il a attendu son tour, et quand son tour est arrivé, il a déjà 80 ans. Parce que le pouvoir ne va pas du père au fils, il va du père,
il est parti aux enfants et des enfants aux frères aînés et ainsi de suite, il est en train de se répandre dans les frères. Ça, c'est un autre style de pouvoir. Et ainsi de suite. Il y a le pouvoir en Syrie, c'était un pouvoir d'un coup d'état militaire, puis le père, quand avant de mourir, le jour où il est mort, le parlement, supposé des marionnettes, ils se sont rassemblés, ils ont donné le pouvoir à ce jeune qui est en train de tuer son peuple, il avait 35 ans à l'époque. C'est pas une royauté, mais c'est un pouvoir qui va d'un président à son fils, malgré la volonté du peuple. C'est pour ça qu'on voit le peuple aujourd'hui, il est en train de se soulever et de sacrifier le sang et l'âme pour pouvoir se débarrasser de cette erreur historique. Qu'on prend le pouvoir comme ça au sein d'une famille et qu'on fait du pays une chose personnelle. Voilà le toujours les gens du pouvoir, ils ont cherché à perpétrer leur pouvoir et à le conserver, qu'il dure le plus longtemps possible. Alors ce roi cherche à faire durer. Et les moyens, il y en a. Il y a l'armée, il y a la police, les moyens pour répondre à un pouvoir et pour que ça dure, il y en a. Mais aucun moyen ne doit être négligé. Et ce roi, parmi les moyens qu'il utilise pour maintenir son pouvoir, c'est la sorcellerie, la magie. Pourquoi la magie? Parce que les magiciens, ils font peur. Quand on dit qu'un roi, il a des magiciens avec lui, on croit qu'il détient la science de l'au-delà. Il sait tout ce qui se passe dans sa communauté. Tu dors, il sait que tu dors. Tu bois, il sait que tu bois. Tu parles sur lui, tu crois qu'il sait que tu parles sur lui. Parce qu'il a des magiciens, des afarides, des djinns qui lui transmettent l'information. C'est faux. C'est seulement pour terroriser et faire peur. Alors ce roi, il avait besoin de la continuité du système. Alors il appelle, et le sorcier lui dit, voilà, je suis vieux, trouve-moi quelqu'un. Alors on lui a trouvé un garçon brillant. Ce garçon brillant, sur son itinéraire pour aller apprendre chez le sorcier, ou le magicien, il a rencontré un moine. Et ce moine, il lui parle de Dieu. Il lui parle de la ilaha illallah, l'unique, Allah l'unique, l'unicité. Et alors le jeune, il était dans la confusion entre deux langages, deux personnalités différentes. Vous savez, c'est comme le jour et la nuit. Le sorcier, c'est une chose, et le moine et adorateur de Dieu, c'est une autre chose. Deux dimensions différentes. Une dimension ténébreuse, une dimension lumineuse. C'est comme d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu Moussa ilamata al-Kaddab, et Moussa ilamata, il a prétendu être prophète, le prophète lui a posé une question. Ce que tu reçois, tu le reçois au jour ou la nuit? Il lui a dit, je le reçois la nuit dans les ténèbres. Et il lui a dit, moi je le reçois dans la lumière. Et donc les sorciers travaillent dans le noir. Shaitan, le Satan, qu'est-ce qu'il fait pour ses alliés? Il les fait sortir de la lumière vers les ténèbres, vers tout ce qui est sombre. C'est ça les sorciers, c'est ça les djinns, c'est ça les afarites. Et c'est comme ça qu'ils font peur aux gens, parce que quand tu marches dans le noir, tu as peur. L'être humain de nature, il n'a peur de marcher dans le noir. Il a besoin de lumière, il a besoin de guide. Et les shayatines, ils profitent de cette situation pour vivre dans le noir et terroriser l'être humain de sorte qu'il va toujours avoir peur. Alors ce jeune, il apprend un langage de lumière, de piété, de bon comportement, d'éthique, d'un moine. Et en même temps, il apprend un autre langage qui est plein. Chaque jour, il a son roi. Chaque jour, il a son ifrit. Chaque jour, il a son djinn. Il faut fumiger ceci. Il faut couler le sang de tel. Il faut que la bête soit noire. Plein de rituels. Vous savez, dans la magie, il y a des rituels pour glorifier Satan et les alliés de Satan. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la magie. Celui qui pratique la magie, il a vendu sa foi. Celui qui pratique la magie, il a fait le pacte avec le diable. Et c'est ce que lui enseigne le sorcier, le grand sorcier, c'est ce qu'il lui enseigne. Mais c'est normal. J'ai quelqu'un qui me parle de l'unicité, il me parle d'un seul créateur. Quand tu veux demander le subsistant, tu lui demandes à lui. Quand tu demandes de l'entrée, tu la demandes à lui. Tout ce que tu demandes, il est unique, seul, tu demandes à lui. C'est ce qu'il va enseigner le moine à ce jeune garçon. Dieu l'unique, c'est lui qui fait tout. L'omnipotent, l'omniscient. Et qu'est-ce qu'il va lui enseigner l'autre? Ceci, cela plein de rituels qui font peur, dans le sang, dans la terreur, dans le mal. La sorcellerie, il n'y a que du mal dans la sorcellerie. Que du mal. Alors, arrivé un moment où vraiment, il ne sait pas quoi faire ce jeune. Et entre-temps,
le sorcier le frappe. Pourquoi t'as tardé? Pourquoi t'es pas à l'heure? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors le moine, il lui a pris une ruse pour minimiser les dégâts. Il lui a dit, quand tu tardes chez tes parents, quand tu tardes chez le sorcier, tes parents te disent pourquoi tu es en retard, tu leur dis que j'étais retardé par le sorcier. Et si tu es en retard chez moi, et le sorcier te dit pourquoi tu es en retard, tu lui dis que tu as été retardé par tes parents. Et comme ça, tu as réglé la situation entre les deux. Si c'est les parents qui te retardent, il ne t'en voudra pas. Et si c'est le sorcier qui te retarde, il ne t'en voudra pas. C'est comme un garçon qui va rentrer tard chez lui, et les parents, ben ce n'est pas un enseignement de mensonge. Vous n'allez pas dire, on a appris ça dans la mosquée. Tu rentres tard chez toi, tu leur dis, j'étais avec le prof. Et tu vas chez le prof, tu lui dis, j'étais chez moi. Ce n'est pas les leçons à tirer, c'est les mauvaises leçons à tirer cela. Non, mais c'est seulement, regardez, dans le cadre d'apprendre la religion, l'unicité, le moine, il a trouvé cette solution que c'est le minimum de dégâts. C'est le minimum pour éviter qu'il se fait chaque fois tabasser par ses parents ou par le sorcier. Si c'est le sorcier qui te demande, tu lui dis mes parents. Si c'est les parents qui te demandent, dis le sorcier. Pourquoi? Parce que les parents vont accepter. Il a été choisi officiellement pour apprendre auprès du sorcier. Ah, t'as été chez ton maître. Ah, t'as été chez tes parents. Ça passe. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa loi et c'est sa doctrine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer quelque chose et l'élever, il lui prépare les causes et les moyens. Ce jeune, il est sincère dans sa démarche, que ce soit avec le sorcier, que ce soit avec le moine. Mais il est dans la tourmente. Qui est le vrai? Celui-là, il me parle un langage, et celui-là, il m'enseigne des choses. Un jour, sur la route, une bête féroce, immense, elle bloque le chemin des gens. Et les gens n'arrivent pas à marcher. Il est menacé. Il leur a vraiment bloqué la route. Et ce jeune, il a eu l'inspiration. Il a pris une pierre. Il a dit, oh ya Allah, si le moine c'est lui qui dit vrai, et si c'est le moine que tu aimes, parce qu'il sentait que le moine, c'est meilleur son langage, il parle de quelque chose unique. Si c'est vraiment le moine qui dit vrai, et si c'est lui que tu aimes, tue cette bête pour que les gens puissent partir et trouver leur chemin. Et lance la pierre. Miracle. Un jeune garçon d'une dizaine d'années, il lance la pierre contre une bête monstre, et la bête, elle meurt. Elle est tuée par la petite pierre du garçon. Alors là, le garçon, il a compris que la vérité, c'est celle qui sort de la bouche du moine, de l'adorateur. Et que ce moine, c'est lui qui lui a enseigné les vraies valeurs, et ce sont ses valeurs à retenir. Mais là, il y a un souci, il y a un problème. C'est que l'affaire du jeune garçon n'est plus restée discrète. Tout le monde en parle dans la communauté. Vous savez, la grande bête là, le jour tel qui nous a menacé, qui nous a bloqué la route, oui, ben il a fallu ce petit garçon qui a lancé une pierre, et cette bête, elle est morte. C'est un garçon qui a la baraka, c'est un garçon qui a fait un miracle. Et alors les gens viennent le voir. Guéris-nous, aide-nous, t'as la bénédiction, t'as la baraka. Et ce garçon, il avait un seul souci, répondre et transmettre les enseignements du moine. Je ne suis rien, ce n'est pas moi qui guéris, parce que le moine lui a enseigné que c'est Allah qui guérit. Ce n'est pas moi qui donne, c'est Allah qui donne. Ce n'est pas moi qui élève, c'est Allah qui élève. Alors, tu veux guérir, tu es malade, dis la ilaha illallah et moi j'invoquerai Dieu pour toi et tu vas être guéri. Mais tu dois reconnaître Allah. Et ils ont tous reconnu, ceux qui sont venus le voir, ils ont tous reconnu l'existence. Et ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, celui le seigneur du jeune homme. Pas le seigneur que prétend le roi avec son sorcier. Non. Aujourd'hui, la communauté, elle a fait la différence, le discernement. Le roi, c'est une chose. Il prétend être divinité, il prétend ceci. Non. C'est que du mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est une arnaque. Le vrai roi, c'est celui-là. Le vrai Dieu, c'est celui-là. C'est le Allah du jeune garçon. Parce que quand on l'invoque pour guérir, il nous guérit. Quand on l'invoque pour nous donner, il nous donne. Quand on l'invoque pour nos besoins, il répond à nos besoins. Et le roi ne répond pas. Le roi nous terrorise. Le roi nous tue.
Il faut qu'on se plie et qu'on paye les impôts et qu'on l'enrichisse. Cependant, le Seigneur du gouverneur, du petit garçon, au contraire, il ne nous demande rien, sauf l'adorer. Ah, ils ont pu faire la différence entre les deux divinités dans la société, la vraie, que le jeune est en train de leur enseigner, et la fausse d'un roi tyran qui la perpètre par la sorcellerie et la peur et la torture. Il est parti voir son maître. Il lui a dit, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Avant que les gens commencent à l'interpeller, qu'est-ce que tu m'enseignes? Il lui a dit, aujourd'hui, tu es mieux que moi. Tu vois, tu es petit et tu as pu faire quelque chose que moi, durant tout mon itinéraire, je n'ai pas pu faire. Et je n'ai pas réussi à faire. Aujourd'hui, Allah t'a comblé. Aujourd'hui, tu as la bénédiction. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui fait des miracles. Mais je vais te dire une chose. Retiens-la. Tu vas être éprouvé. Et ton affaire va être dévoilée. Et le jour où on va t'éprouver et on va t'évoiler, ne dénonce pas, s'il te plaît. Je suis un vieux. Un roi sorcier, il avait un ministre. Ce ministre, il est devenu aveugle. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il en est de ce ministre, et qu'est-ce qu'il en est de ce roi, qu'est-ce qu'il en est de ce jeune, et qu'est-ce qu'il en est de la suite de l'histoire. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما, ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات, المؤمنين والمؤمنات, الاحياء منهم والاموات, الاباء والامهات, الاخوان والاخوات, الابناء والبنات, انك سميع مجيب الدعوات. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه, وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, واعلي بفضلك رايه الحق والدين, وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه, ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كافك فينا بما شئت وما تشئت وكيف ما شئت. اللهم كافك فينا بما شئت وما تشئت وكيف ما شئت. اللهم كافك فينا بما شئت وما تشئت وكيف ما شئت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مكسورا إلا جبرته, ولا فقيرا إلا أغنيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا ضعيفا إلا قويته. اللهم قوي إيمانا بلا إله إلا الله. اللهم قوي إيماننا بلا إله إلا الله. اللهم قوي إيماننا بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. واغننا اللهم بحلالك عن حرامك, وبطاعتك عن معصيتك, واغننا بفضلك عما سواك. دعاء لعائلة, ندعو لأب وبنته بالشفاء. اللهم رب الناس بالبأس شفنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. ودعاء للإخوة والمسلمين أجمعين بالهداية والتوفيق والتيسير. اللهم من كان ضالا من أبناء وبنات المسلمين فهديه إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم يا الله إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم إلى المساجد وإلى العبادة وإلى حسن الخلق وإلى بر الوالدين. اللهم اهدي أولادنا إلى بر الوالدين. اللهم اهدي أولادنا ذكورا وإناثا إلى بر الوالدين. نحن في فترة امتحانات, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد جواب أبنائنا وبناتنا. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات. اللهم يسر لهم امتحاناتهم. اللهم يسر لهم امتحاناتهم, وكن لهم وليا ونصيرا وظاهرا. اللهم أعنهم في أجوبتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء من أم لابنتها, اللهم انصرها وقوها واقض حاجتها ويسر أمورها. ودعاء من ابن لأبيه بالرحمة, توفي
حوالي الآن تقريبا شهرين، نسأل الله العظيم أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزولهم واغفر لنا ولهم، وإن كانوا محسنين فزيد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرامك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كثير ما يسألني الشباب ذكورا وإناثا عن الزوج الصالح والزوجة الصالحة، فنسأل الله في هذا المقام العظيم وفي هذه الساعة، اللهم ارزق العزاب من أبناء المسلمين زوجات صالحات، وارزق العازبات من بنات المسلمين أزواج صالحون. اللهم يسر لكل فتاة زوجا صالحا، ويسر لكل شاب زوجة صالحة. اللهم إنا نسألك الصلاح لأبنائنا، ونسألك الصلاح للذكور والإناث، ونسألك من العلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ونسألك يا الله أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وتصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وتوفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بالنسبة للقدر اللي تجمع الأسبوع الماضي كانت جمعت 690 وجمعت تقريبا حوالي 1300، فيما في المجموع تقريبا 2000 أورو، جزاكم الله خيرا. سكي تي ريكولتي سيغ لي دو فوندغودي ا ببري 2000 أورو، كالله بيني فودون. بارك الله فيكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.